Luc Nicolai, arrêté encore hier aux environs de 21h par la gendarmerie de Thiès, puis conduit au tribunal de grande instance de Mbour pour être auditionné par le procureur. Son avocat revient sur cette arrestation. Bon, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est que le mandat d'arrêt qui a été décerné par la cour d'appel de Saint-Louis a été exécuté par la section de recherche de la gendarmerie de Thiès, qu'il a présenté à M. le procureur du tribunal de grande instance de Mbour. Maintenant, le mandat indique que Luc doit être transféré. En fait, vous savez, en fait, c'est une décision de justice qui est exécutée. Évidemment, nous allons faire en sorte que Luc ne séjourne pas longtemps en prison. Parce que la place de Luc, ce n'est pas la prison. Encore une fois, c'est une affaire qui date de 2017. Et donc, Luc est un opérateur économique. Je crois savoir que, vous le savez très bien, que dès qu'il a ficelé le combat modulo à Mabaldé, cette affaire-là a subitement refait surface. Toujours dans ses propos, Maître Cissé affirme que c'est une coïncidence assez troublante avec le combat qui oppose Modlo et Ama Baldé que l'homme d'affaires a mis en place cette semaine. C'est une coïncidence qui est assez troublante parce que vous savez que le combat a été ficelé en début de semaine. Et avant même la fin de la semaine, le mandat de 2017, parce qu'on est en 2019, pratiquement à la fin de l'année 2019, que ce mandat-là puisse être exécuté après que le combat modulo Ama Baldé soit ficelé par Luc Nicolai. Luc Nicolai sera conduit à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis, mais ses avocats comptent tout faire pour lever ce mandat d'arrêt.